Bernard, on a un petit service à vous demander. C'est vous qui gardez maman à Noël. S'il te plaît. C'est pas négociable. Pour mamie, on fera comme pour les huîtres. On la prendrait les mois en mer. 10 000 euros, une cuisinière. Elle te parle, tu lui réponds. Broche. Félicitations. Merci. Bon, ça y était, pas des dons, c'est drôlement chouette. Ah ouais, c'est la poule house. Et en plus, c'est en anglais. Eh bien, bien sûr, maison de piscine. Poule, maison et house. Ouais. Au 35 heures. Et au con qui les paye. Elle est fixe, ta broche? Mais ça, c'est la meilleure. 10 000 euros. 8 000, ça. Papa? Ouais. On va chercher mamie? Mais non, le gigot est pas cuit. Ta voisine, ça fait longtemps que ça vient. Tu sers des serres, tu sers des fesses. Avec Bernadette, on me coupe très libre. Je vais te le libérer, moi, le couple. Parfois, je rêve d'un mec, là, costaud. Dis donc, connasse, j'ai un truc à te dire. Qui me dirait ta gueule, Huguette? Ta gueule et... Ta gueule, Huguette! Ah, Huguette. Monsieur Kader, notre sauveteur du four. Là, ça s'affiche, là? J'ai rien. J'ai une tête d'arabe, mais je suis français. Il est sympa, ce français, pour un arabe. C'est un joueur. Mais c'est dégueulasse. Allez, monsieur l'abbé, allez-y, dites-nous. Eh ben voilà. Enfin, c'est un rap, quoi. Je vais me faire la tôte. Vous avez le parmesan qui sort de la vitrine. Ça, c'est la drogue, mais ça détend bien la tête. Oui. Par contre, je suis emmerdé pour les poches avec ça. Mais là, t'as que là. Si tu veux, je t'appelle. Vas-y, je me mets sur le vibreur.